coucou les filles, alors oui, c'est toujours le même jour, en fait j'enchaîne un peu les vidéos. Là je vais vous faire mes produits finis, j'en ai pas beaucoup parce que j'en ai pas beaucoup, on s'en fout pourquoi. Parce que je vais pas, j'utilise beaucoup de produits en même temps, donc du coup je finis pas très rapidement ceux que j'ai en cours. Voilà, et j'essaierai de vous montrer quel produit remplace tel ou tel produit. Donc je vais commencer par deux gels douche. En fait, j'ai d'abord fini le Cottage, donc le douche gommage au sucre, au caramel. Donc là, par contre, c'est en transparent, donc je sais pas si... Voilà. Et donc, je l'ai terminé et je l'avais remplacé par celui au sucre de violette. Donc, douche gommage douceur au sucre de violette. Donc moi, je l'ai utilisé en gommage et après, je passais un gel douche par-dessus. Donc, je l'utilisais pas du tout en gel douche. Donc, celui-là avait remplacé celui-là. Donc bien sûr il faut que je remplace les deux. Et donc j'utilise un gel douche frais et exfoliant de chez Lush, donc le gratte-ciel, qui est ma foi pas mal. Même si l'odeur est très marine. C'est pas des odeurs que j'apprécie beaucoup, mais de toute manière je passe un gel douche après derrière. Donc ça vous allez me dire c'est un gel douche. C'est un gel douche. Mais pour enlever les grains, etc. Moi, je préfère passer un gel douche par-dessus. Enfin, bon, chacun sa façon de faire. Hein. Et voilà. Donc, il est très bien, par contre. Il agresse pas, les grains sont pas trop gros. Ça fait pas mal et tout. Ensuite, un shampoing donc, que Fée des Vidéos m'avait donné. Qu'elle avait eu dans sa Glossy Box, il me semble. Glossy, ou je sais plus laquelle qu'elle avait. Et parce qu'elle en a deux. Je crois, enfin bon, bref on s'en fout. Et c'était un shampoing pour les cheveux colorés. Donc je me suis forcée à le terminer. Mais il m'a fait tomber les cheveux. Et voilà. Elle a beaucoup aimé celui qu'elle avait reçu une fois. Mais moi il m'a fait tomber les cheveux. C'était juste une catastrophe de chez catastrophe. Mais sinon au niveau de l'odeur et tout, il est très bien. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, ouais. Sinon au niveau de l'odeur, il est très très bien. Après moi c'est peut-être parce qu'il me convenait pas. Mais voilà. Donc je le remplace par un shampoing que j'ai acheté chez Stokomani, donc de chez Expert 1, 2, 3, 4. Voilà, donc en flacon pompe pour cheveux abîmés. En fait je privilégie plutôt, parce que c'est vrai que j'ai les cheveux colorés, mais je privilégie plutôt les shampoings pour cheveux abîmés. Même si j'ai les cheveux colorés, parce que mon objectif c'est pas de garder ma couleur, c'est vraiment de les réparer. Franchement... Garder ma couleur, c'est pas ma priorité. Ensuite, c'est un démaquillant. Donc, en fait, c'est des échantillons. J'en ai reçu au moins une quinzaine. Et donc, du coup, ça m'a servi. Je les ai mis dans une petite boîte et je l'utilisais. Donc, c'est un démaquillant de chez Waterproof. C'est un démaquillant de chez Makeup Forever. Donc, il est waterproof pour les yeux sensibles. Donc, c'est le Sense Eyes. Ah, il est très bien. Il est très bien, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Et je l'ai remplacé donc par mon super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Ensuite, j'ai fini un de mes flacons Vive la Révolution. Donc je l'ai remplacé par le Vive la Révolution. Par le même quoi. Et de toute façon, il est top, il est top. Ensuite, j'ai utilisé un échantillon de crème de chez Nivea Visage, pur et naturel, soin de jour, oh, anti-rides. Donc je pense que j'achetais le gros pot, parce que j'ai bien aimé l'odeur, la texture, etc. Donc je pense que je rachèterai le gros pot, étant donné que c'est un échantillon, je ne l'ai remplacé par rien du tout. Voilà, je voulais juste vous dire que j'avais utilisé ce truc-là, qui était très bien et que je comptais sûrement acheter le pot. Ensuite, j'ai terminé mon fixateur de maquillage de chez Kiko, donc qui est très bien. Donc je vais le remplacer par le même, tout simplement, parce que de toute façon je n'en ai pas d'autre à part mes bases, mais j'aime bien mettre un peu de fixateur. C'est un petit peu comme le Fix Plus de chez MAC, donc je pense pas acheter le Fix Plus de chez MAC parce que c'est un peu cher, mais j'irai acheter celui de chez Kiko, qui est franchement une très bonne alternative, qui fait tenir très très bien, etc, etc, etc. Et en dernier, oui, comme je vous ai dit, je n'en avais pas beaucoup, c'est mon... Donc je l'ai presque fini.
J'ai mis ce qui restait dans un petit pot, mais franchement il reste quoi, 2 utilisations. Donc de chez Nivea, mon gel crème hydratant matifiant, le Control Shine. Donc je vous ai déjà présenté plusieurs fois, donc je l'ai ouvert, je l'ai bien dépoté, bien nettoyé, tout ce qu'on veut. Je suis une radine. Donc ce truc là est très très bien, je me suis pas forcée à le terminer, rien du tout. Donc je pense que je le rachèterai, parce qu'en plus ça coûte pas super cher Nivea. Et je pense que je le rachèterai, mais pour l'instant à la place, donc je l'ai mis, enfin ce qui reste je l'ai mis là. Donc vous voyez il en reste pas beaucoup beaucoup, étant donné que j'en mets sur tout visage et sur le cou, comme c'est marqué évidemment. Et quand j'aurai terminé, j'utiliserai, si je ne l'ai pas encore acheté, parce que de toute façon donc, j'utilise mes autres crèmes, la de chez Cosmens, donc je l'ai acheté sur le site Les Créateurs de Beauté. Donc de chez Cosmens, l'hydratant lumino embellisseur. Donc c'est un soin hydratant vivifiant, donc qui sent très bon. Je l'ai utilisé une ou deux fois et c'est vrai qu'elle est vraiment très très bien. Elle a un effet poudré au toucher, c'est très bizarre. Donc voilà, c'était mes petits produits terminés. Donc j'en ai pas des tonnes comme je vous avais prévenu. Mais il fallait quand même que je la fasse un jour ou l'autre. Donc bah je l'ai fait. Voilà, tant pis, hein, même s'il n'y en avait pas beaucoup. C'est pas grave. J'en suis quand même à la 3e vidéo aujourd'hui. Donc si je devais faire des produits terminés de 14 km de long, vous auriez dit, on en a marre de voir ta tronche. Déjà qu'il y en a qui le pensent très fort. Donc voilà, je vais vous faire des bisous et puis bah je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye.